Salut les amis, ça va encore, tranquille. Aujourd'hui c'est POV aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui c'est POV mais temps couvert, temps gris, pas beaucoup de monde. Bon, on va essayer de faire ce qu'on sait faire. Mais j'ai pas l'impression que ça va être évident aujourd'hui, mais bon, on va essayer. Merci en tout cas pour le premier POV. Il y avait plein d'avis positifs et franchement je suis content, donc je vous remercie, et donc c'est pour ça que je vais en faire un deuxième en fait, tu vois. Donc c'est possible qu'il soit moins bien que le premier, c'est possible, vu le temps. Regardez le temps là, le temps il est vraiment très bancal. Donc aujourd'hui j'ai deux pellicules Tri-X, soyez indulgents avec moi. C'est vrai que récemment je me suis dit ouais, plus jamais à Tri-X, mais je suis un toxico de cette pellicule, ce qui veut dire que des fois je suis en rechute. Donc si vous me voyez de temps en temps avec de la Tri-X, c'est normal en fait. J'essaie de me combattre, mais enfin c'est pas évident. il pleut, regardez. Je vous avais dit quoi? Aujourd'hui, la journée vraiment bizarre. Météo vraiment bancale. Donc on a essayé, j'ai essayé en tout cas de faire de la photo. J'étais plus souvent à 2.8, 4, 5, 6 grand maximum. Donc voilà, ça a lieu à des photos peut-être qui ne sont pas dans le point, etc. Donc on va voir, je vais voir au développement comment ça va être. Regardez le vent, regardez. Regardez. Ah, laisse tomber. L'intempérie totale. Donc voilà. J'ai pris 2 Tri-X. Je les ai poussés à 800 en fait. Je les ai poussés à 800. Avec le recul, je me dis, est-ce que j'aurais peut-être dû les pousser à 1006 ou à 3002. Mais bon, je suis pas très fan de pousser à Tri-X parce qu'après, derrière, il y a quand même beaucoup de contraste, beaucoup de grains. Déjà que la pellicule elle est déjà comme ça nativement, donc je voulais pas en rajouter, et puis on perd aussi en netteté un peu, donc voilà, c'est un choix, c'est un parti pris, mais est-ce qu'il y aura des répercussions sur la photo, sur le résultat de mes photos? Sûrement, mais bon, on verra comment ça va donner. En tout cas, merci de soutenir la chaîne, merci d'être derrière la chaîne, de nous soutenir, d'être aussi nombreux. Nous, ça nous pousse à faire beaucoup de choses.